tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on est dans la voiture comme vous le voyez, parce que c'est une vidéo un peu spéciale qui je pense va être assez marrante. Et bah tout simplement bah je vais conduire, voilà. Je vais conduire la petite voiture. Je vais prêter ma belle Clio à Dylan et il va apprendre à conduire. Et ouais. Donc là on va ailleurs, on va pas faire ça dans notre petit patelin parce que sinon il va foncer dans les murs. Donc je vais vous montrer où on va, c'est un endroit très spécial pour moi. Et puis bah voilà, bah, c'est parti. Alors où est-ce qu'on va? Bah déjà on va aller mettre de l'essence, sinon on va pas aller bien loin, je vous dis qu'on est dans le rouge. Voilà, y a plus d'essence. On part faire une vidéo mais on a plus d'essence, c'est normal, logique. On anticipe vraiment, hein, ça se voit. Voilà, ça met de l'essence. C'est bon, on est sauvés. On va pouvoir conduire. Ouais. C'est parti. Allez, let's go. Donc voilà, nous sommes arrivés. Je vous montre. C'est ici que j'ai appris à conduire quand j'étais enfant avec mon papa. Donc j'ai choisi le même coin pour mon fils. Et pourquoi ce coin? Parce que bah il est pas dangereux du tout. Tout est plat, comme vous pouvez le voir, c'est que des chemins et que des champs. Donc si jamais Dylan va sur le côté, bah on va pas se faire grand mal, à part s'embourber. Regardez, c'est que des champs. Voilà, tout est plat. Donc bah c'est parti, hein, t'es prêt? Ouais, en voiture. Allez, Simone. En voiture Simone. Alors là par contre, il va falloir qu'il recule, parce que je me suis mis exprès comme ça pour le faire reculer. Il n'a jamais reculé de sa vie encore. Hop là. T'as mis ta ceinture, c'est bon? Ouais, moi, ceinture. Je mets pas ma ceinture, moi. Si on se tape un truc sur le côté... On peut rien se taper. Bon, allez, il y a 2-3 arbres là, à la rigueur. Non. Alors, déjà, mon petit Dylan, où est la marche arrière? Donc là, on est au point mort. Vas-y, débraye. Embraye, plutôt embraye, avec donc ton pied. J'appuie. Ouais. Je vais là. Et tu passes la marche arrière. J'y arrive pas, elle revient. Alors, faut forcer, hein. T'es pas en frein à main, hein? Si, bah si, il y a le frein à main. Ça commence bien. Non, mais quand je le relève, ça va freiner. Non, enlève-le, t'inquiète. Comment on fait? Il faut appuyer là. Tu lèves et tu baisses. Ah si, elle se sauve la voiture. Donc vas-y. Mais attends, donc je peux appuyer sur la pédale d'embrayage et bah, le frein? Bah appuie en même sur temps. Le frein, oui. Vas-y, appuie sur le frein. En fait, t'auras même pas besoin de la marche arrière. Donc là, si. Vas-y, lâche le frein. Si, t'auras besoin de la marche arrière. Recule plus la voiture. Vas-y, mets la marche arrière. Je sens le frein. Oui, vas-y, bah tu vois bien qu'elle bouge pas. Mais quoi, je mets. Vas-y, essaye de reculer. Bah, avant, je suis pas sûre qu'elle soit enclenchée, la marche arrière. Mais si, ça fait. Ok, vas-y, vas-y. C'est bon, elle est enclenchée. Oui, je pense, vas-y, essaye. Non. Tu vas voir si elle est pas enclenchée, elle va pas bouger. Non, mais je relâche en accélérant. Ouais, bien. Ok, maintenant okay. Tu peux passer la première et tu vas aller là, à droite. Non, non, moi je vais aller à gauche. Non, tu vas aller à droite. Eh ben je re-recule. Merde, j'ai pas vu en fait au fond. Quoi, il y a une voiture? Mais non, mais je vois ah, oui, pas. Ah oui, jusqu'ici une voiture. Non, mais il y a rien, de toute façon. Non, je veux bien aller bon, à d'accord, gauche. Bon d'accord, allez, va à gauche, je suis gentil. Mais à gauche, c'est là que t'as le plus gros trou. Non, tu mens. Non, je te jure. Allez, vas-y. T'as vu la gueule de cette route là? Ok, bah vas-y, fais-toi plaisir. Ça c'est fait. Je sais plus comment on fait, moi. Tu débrayes en même temps que t'accélères. Hein? J'ai un peu dérapé, là, hein. J'ai dérapé, j'ai accéléré trop fort. Ouais, t'as accéléré trop fort. Je me crois dans Fast and Furious. On a pas la même voiture. Bien, bien, c'est bien, t'es parti. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai le pied, je mets le pied. La meuf t'es pas rassurée. Tu mais... gardes le pied sur l'accélérateur doucement, tranquille. Et l'autre, j'en fais quoi? L'autre, bah, tu le laisses par terre. T'es trop à droite, là, quand même. Ah. Pour moi. Donc là, si je suis trop lent, la voiture va ouais, elle va brouter. Donc après, il faut que j'appuie sur la pédale. Tu peux accélérer puis passer la deuxième, hein, vas-y. Non, t'inquiète. Bah essaye, il veut rester en première. Pourquoi tu t'es arrêté? Parce qu'il y a des trous. Mais tu les passes, les trous. Ah. Mais doucement. Oh, dis-là, n'accélère pas quand on va t'arrêter. C'est bien comme ça, là. Faut pas avoir peur, t'inquiète. Pas avoir peur, tu me dis. Ah, on est à 15, même pas, on est à 10. Allez, essaye de passer un petit coup la deuxième. Non, non, ça va. De toute façon, au bout d'un moment, t'auras pas le choix parce que c'est une ligne droite, donc tu vas pas rester en première. Tu sais. Attention, le gros trou là. Hein. Celui-là aussi, fais gaffe, il est gros. Mais pourquoi tu vas dedans? Regardez-moi ça. Puis là-bas, c'est pire encore. Je veux faire l'autre route en fait. Mais non, mais c'est trop tard, Dylan. Non, pas non trop tu tard. Passes les trous. Mais tu vas voir. Tu que... te sers. Je vais t'aider. Vas-y, accélère. Vas-y. Ok. Vas-y, accélère. Doucement, doucement. Accélère un tout petit peu plus. Tout petit peu plus. Oui, bien. Voilà, on a passé les gros trous, tu vois. C'est arrivé. Quoi ça là? C'est. J'espère qu'on va pas s'embourber. C'est une grosse plaque d'eau. Passe à droite, là. Vas-y, doucement, doucement. Mais t'arrêtes surtout pas. Hein. Doucement, stop. Y a un trou. Ralentis. À gauche, le volant. Attends, je me suis arrêté. Allez, vas-y, accélère douce. On redémarre. Allez, on redémarre. Pour la combien? Troisième fois, tu cales? Je sais plus. Hein. C'est si violent que ça? Mais tu vas me faire mourir! Mais non, mais je sais pas faire la différence entre les deux, j'arrive pas. C'est ça le plus dur à apprendre quand on apprend à conduire. Tu vois, t'y arrivais, t'as géré! Ouais!
Voilà, c'est tranquille. C'est tellement facile, je crois que je roule un peu trop à droite, non? Non, pas du tout, non. Non, mais me fais pas de l'ironie pendant que je conduis. Non, je te jure que tu roules pas du tout. Enfin, okay. T'es au milieu, quoi. Tu peux aller jusqu'à combien en première? Tu vois le compteur, là? Ouais. Faut pas que ça dépasse les deux. Alors là, par contre, tu vas aller tourner à droite. Faut vraiment prendre... voilà. Voilà. Tu vas tout doucement, par contre, tout doucement. Vas-y, tourne. Super. Super, nickel, t'as géré de fou. Tu peux essayer de passer la deuxième si tu veux. Non, moi je vous dis, je vais rester en première parce que j'aime bien la première. Alors vas-y, arrête-toi. Donc là, si j'appuie à fond sur l'embrayage. Non, pas à fond. Oh, attention, il y a un gros trou là. Je sais pas, moi tu me préviens pas. Bah, c'est pas moi qui regarde la route, c'est toi qui conduis. Ok, vas-y, mollo quand même sur le frein. Vas-y, repasse la première. Ah, pourquoi tu m'as fait arrêter là? Bah, pour t'apprendre à passer la vitesse et à accélérer. Là, je suis au point mort. Ouais, vas-y, passe la première. Hop. Allez, et on accélère tout doucement. Là, tu galères. Putain, ma voiture, C'est pas facile, hein. Bah oui, il faut apprendre. Doucement. Même... En fait, ton pied, faut que tu l'enlèves doucement de l'embrayage. Tout fier, mignon. Oh, qu'est-ce que tu me fais, là? Bah, il y a des trous. Bon, bah, actuellement, voilà. Regarde ta route. Je suis en train de conduire, voilà. Et je ne regarde pas la route, là. Bad boy. En fait, j'ai pas du tout envie de passer à la deuxième, tu vois. On serait dans un champ géant ou un... T'as le volant quand même? Là, je vais où là? Tu vas à droite. J'accélère toujours. Hein. Alors, ouais, tu te mets bien sur la gauche et tu tournes. Yeah! Oh, comment t'as géré? Je suis fière. Je suis obligée de rester à 20, ça m'embête. Hein. Un petit moteur, ta bagnole. Hein. Oh, c'est la faute de la voiture maintenant. Accélère un peu quand même, non? Mais je peux pas, faut que je passe après. Oh, il y a des trous. Je suis obligée de passer la vitesse sinon. Voilà, bon bah je suis fière en fait là. Allez, tu vas t'arrêter. Donc là j'appuie à fond sur l'embrayage bah, dès que tu relâches. Oui. Voilà, et puis tu freines tranquille, voilà. Ouais, bien, super. Et maintenant tu vas essayer de redémarrer. C'est pénible. Allez, Dylan. Donc là je remets au point mort. Non, pas obligé, il y a déjà la vitesse. Là on avance. Bah non, c'est bon, regarde, on avance. Oui, mais justement, c'est pour ça, on est un peu en descente donc ça va t'aider un peu. Mais t'es quand même obligé d'accélérer. Mais doucement, pas beaucoup. Je fais un départ arrêté là. Tu vois, il me dit de passer la vitesse. Bah essaye de passer la deuxième, Dylan. Si t'essayes pas dans la vitesse. Bah non, parce que quand je vais rétrograder, tu vas voir ta boîte de vitesse qu'elle va en dire. Tu vas voir comment on dire ta boîte. Alors arrête-toi. Et hop, je m'arrête. Allez, vas-y, recule. Pourquoi? Recule. Pourquoi non? Pour apprendre à reculer. Allez, on essaye, on va tout doucement. Alors quand on recule, le but c'est regarder derrière parce que sinon. Mais on voit rien derrière, c'est nul. Ouais, retourne-toi. Non, ouais, mais je fais 1m10. Bon bah écoute, mon avis personnel c'est que tu te débrouilles très bien. Non, j'arrêtais pas de caler. Non mais c'est pas grave, c'est normal. Attends, moi aussi au début j'arrêtais pas de faire ça, de caler tout. Même je voulais abandonner, tu vois. Donc franchement moi je suis fière de lui, c'est super bien débrouillé. Je pense que la prochaine fois sur une route plate ce sera encore mieux. Là je t'ai quand même mis dans un bon chemin caillouteux. Ouais, avec des trous partout. Non c'était bien, franchement je suis fière de toi. Et maintenant je vais reprendre le volant de ma voiture. Regardez-moi ça, il fait beau, c'est magnifique. Trop de souvenirs d'enfance. Allez, c'est parti. Bon, bah maintenant, on va aller se promener dans mon petit village d'enfance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donnez votre avis si vous savez conduire ou pas, quel âge vous avez et tout ça. Et du coup, on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant. Bye tout le monde. Salut.